Raphaël Pusic. Je vous présente le Café Foch. Oui. Qui fait des galeries, en présente des artistes. D'accord. En ce moment, donc, c'est leur retour. On va présenter les tableaux. D'accord, ben on y va alors. Allez, on y va. Allez, on y va. Donc, on va commencer à gauche. Alors, on regarde. On dans le... Ok, ok. Alors là, vous présentez, quelle est votre inspiration, Fred ? L'inspiration, c'est le fond de mon ventre, carrément sur l'instant. D'accord. Je ne parle jamais sur la subitude au début, ça a l'air très bien, mais c'est sympa. Et vous peignez depuis combien de temps ? Depuis des années. Pas tout le temps. Ok. Et vous avez commencé par quel style ? Quel est là, dans ce qu'on voit, quel est le style le plus ancien ? Celui-ci. Dans ces styles-là. Dans ces styles-là. J'ai mis beaucoup plus de couleurs. Oui. J'ai essayé de varier le style, comme vous allez un peu plus loin. D'accord. En fait, je vais avoir plusieurs styles. D'accord. Sa liberté de. Et il y a des inspirations, c'est votre vie personnelle, ça provient, d'où provient votre inspiration ? Alors souvent l'inspiration est un seul moment, ma vie personnelle lui évidemment, normalement la tête il va avoir le tout mélangé à un moment, voilà, j'aime aussi mettre mes couleurs. D'accord. Ok, super, parfait. On va continuer la visite alors, on va continuer la visite. Je passe devant. D'accord, ok. Alors Fred, d'où vient votre nom d'artiste ? C'est un diminutif de mon nom en fait. Oui, c'est quoi votre nom ? Mon nom c'est Piscicchio. D'accord. D'accord. Voilà. Je suis à Grenoble. Bon, je suis à Grenoble. Ok. Mes parents sont immigrés d'Italie. Et voilà. Et vous êtes artiste depuis combien de temps ? C'est toujours genre possible. Non, depuis très longtemps. En fait, je suis musicien. Aussi. Oui. Quand j'étais interprète du spectacle. La peinture, je le fais vraiment par passion. D'accord. L'artiste, la définition de trois temps, plus longtemps. Et vous avez commencé comment ? Ça s'est développé comment ? Le dessin, j'ai à tout petit, j'ai dessiné. D'accord. Copier. Ouais. D'accord. Tout ça. Les BD. Mmh. Ouais, sûr. Les personnages que j'aimais bien, les personnages imaginaires aussi. D'accord. On voit que. Ouais. On voit travailler déjà dans le. Ouais, l'inspiration, elle est très. Ouais, j'avais le. Ouais, j'avais toujours envie de dessiner. D'accord. La peinture, c'est du plus tard. D'accord. Et est-ce que vous avez changé de style ? Depuis, bah, j'espère quand même, oui. Mais je reste quand même dans ma... Je sais pas, c'est à vous de finir le style aussi. Non, parce que moi je connais pas toute votre vie artistique, mais est-ce qu'il y a eu des cassures, il y a eu des changements Je regarde ça, c'est genre là, tout à sûrement, oui, des cassures, mais j'aurais toujours un problème pour le même thème, pour le même personnage. D'accord. On va dire. D'accord. Et comment choisissez-vous vos projets ? Projets de peinture, de... Oh, c'est ce qui me trotte dans la tête, souvent je pars sur une toile à l'instinct. C'est à l'instinct, ouais. C'est tout le temps. Les couleurs, ouais. Comme ça évolue, comme ça change. Voilà, tout comme ça. Et à qui s'adresse votre art ? Alors, comment répondre à ça ? Ah oui, c'est... Mais bien sûr. Déjà, je sais pas trop, je peins pour moi déjà aussi. Oui, d'accord. Les gens, ça les intéresse, ah oui, j'espère. Ouais, oui. Après, voilà. Donc là on est dans une exposition personnelle. Hein. Exactement. Là on est au Café Foch. Oui, pour un mois jusqu'au 15 juin à Grenoble. D'accord. Donc on remet régulièrement des artistes. Oui. On joue des groupes aussi. Donc on remercie les gens du Café Foch. On les remercie très très bien. Merci à eux. Et combien d'expositions faites-vous par an ? C'est très irrégulier. Ouais. Ça fait plusieurs années, j'en ai fait plusieurs dans des bars, au Paris, dans des brasseries. Oui. Après, j'ai beaucoup de travail en musique, alors j'étais obligé aussi de... Je peignais un peu moins. Mm-hmm. Et là, c'est reparti, j'espère. Là, je vais sûrement faire une expo sur Tulin. Ah, où ça ? Vous savez déjà où vous allez exposer ? Non, je n'ai pas le nom, en fait. C'est une personne qui m'a contacté, j'en ai une autre sur Grenoble. Je n'ai pas les noms, en fait. D'accord. Donc je vais essayer de... le plus possible. Ok, je vais essayer de mettre les liens si, oui. Des futures expos si on peut les oui. Si on peut les sur avoir. Tulin, ça sera sur ça sera éphémère. Je crois que ce sera sur 2 jours, un truc comme ça. D'accord.
Ça sera en septembre. En septembre, ok. Et vous exposerez toujours, ça sera sur une nouvelle série ou sûrement, oui. Sûrement, oui. Là, je suis en train de rôle. Donc là, ça sera... Ça sera la surprise. En fidèle, quand même. Ah oui, ça sera la surprise, alors. On va dire, ouais. Je sais pas. Ça sera une nouvelle série. Des tableaux que je n'ai pas compris. Oui, une nouvelle série. Je vais faire dans les prochains mois. D'accord. Il reste du temps, il reste 3 mois. Oui, largement. Ouais. Bah Fred, je vous remercie pour cette interview et puis je remercie encore les gens du Café Foch. D'accord. Merci Fred. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Thank you.